Bien, je suis avec Philippe Jacquet au kiosque du Jardin Public. Ça s'appelle comme ça, kiosque? Oui, Jardin Public, le kiosque. Et vous venez répéter ici avec votre instrument? Voilà. Parce qu'il y a une acoustique, juste ici, sous le dôme, là, plus, avec une réverbe artificielle, en fait. Mais en poids, ça le fait aussi un peu moins, quand même. Et donc, le son est plus intéressant ici, effectivement, que... Voilà, bah, surtout que ici. Vous avez plus de retour. Ouais, surtout que la cornemuse, c'est vraiment à l'oreille que ça se règle. Donc c'est bien d'avoir un bon retour. Un bon retour, voilà. C'est un retour naturel dans ce cas-là. Pas besoin d'électronique et de haut-parleur. Quel type de morceaux vous jouez? Quel répertoire? Là, c'est celtique, c'est. C'est des gigues, des. C'est folklorique, quoi, un peu. C'est circassien, musique irlandaise, un peu musique espagnole aussi, galicienne. Ah oui. Est-ce que vous avez vu donc la troupe qui était venue jouer de les troubadours, enfin les troubadours modernes, vous les avez vus passer à Saintes? Quelle troupe? Parce que je fais partie d'une troupe, moi, donc. Non, c'est des troubadours. Alors, j'ai plus de nom en tête, mais ils sont sur proximi.tv, hein, et ils jouent en fait des airs anciens. Et dans le répertoire, il y a du celtique, il y a du français, il y a du galicien aussi. Ouais. Ils chantent même en. En ancien. Façon celtique, hein, on prend toutes les côtes de l'océan et puis on part de l'Irlande. Tout le lac, des racines communes. Voilà. Donc ils ont expliqué ce que signifiait troubadour, trouve l'amour, etc. Et pourquoi Les troubadours, c'était les compositeurs de musique à l'époque. Alors les troubadours, je crois que les troubadours c'était ceux qui servaient la musique, qui composaient pas forcément. Ah oui. C'était alors il y a existé des troubadours qui étaient auteurs-compositeurs en quelque sorte, ouais. Mais pour la grande majorité c'était des servants de la musique, disons des servants de, ouais, de notamment au niveau des textes créés par des gens plus lettrés et plus savants, et eux ils étaient là pour incarner ces textes-là. Donc il y a eu des gens fameux en tant que créateur de pièces pour troubadour. Et de notre temps, bah, nous on essaie de faire perdurer ça. Et donc vous êtes un troubadour moderne? Non, mais oui, on compose. Sur un répertoire classique ou il y a de la composition? Oui, il y a surtout des fois des improvisations, des notes qui viennent sous les doigts comme ça, alors on se laisse emmener par la musique. Alors en principe, c'est une séquence qui est souvent répétée, qui est... Alors ça, c'est plus... C'est des ritournelles, ce qu'on appelle des ritournelles. Oui, alors c'était plus des musiques de danse. À l'époque, c'était pas de la musique de danse, c'était pour emmener les gens au travail, pour entraîner. D'accord. Ou à la guerre, peut-être. Oui, non. Alors dans ces cas-là, c'est plus la cornemuse écossaise, avec des airs très... Ah oui. D'accord, avec... C'est vrai que si vous avec des tambours et des... Ben, surtout les cornemuses, ça a une vibration particulière, donc si vous mettez une quarantaine ou une cinquantaine de cornemuses, ça... Alors, votre cornemuse est accordée sur une tonalité? Celle-là, elle est en tonalité Do. D'accord. Donc, le Do, là, en l'occurrence, c'est ce son un peu plus grave que l'on entend en permanence. Le Do, c'est le bourdon. C'est le bourdon, voilà. Et moi, je joue sur cette tonalité-là. Ensuite, les positions de doigts sont les mêmes que la flûte. Donc la particularité, évidemment, c'est qu'on crée une réserve d'air au niveau de... On gonfle. Donc il y a une réserve d'air, et puis avec le bras gauche... Alors le travail, c'est de... On continue. D'avoir toujours la même pression avec le souffle qu'avec le bras. D'accord. Sinon la note, elle va faire... Elle va fluctuer. D'accord. Et au début, c'est ce qui se fait, parce que... Quand on commence l'instrument, on a du mal à tenir les notes, disons. Donc un petit exemple. Le deuxième travail, c'est de connaître les morceaux sur les doigts, quoi. Sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, c'est ça. D'accord. Vous êtes synthé? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas un saint pour autant? Non. Et donc parlez-nous de la troupe au sein de laquelle vous. Alors, il y a deux choses. Il y a une troupe qui s'appelle la 9e Baronnie. Donc, là, c'est vraiment. C'est plutôt médiéval, 15e siècle, donc avec les cantons médiévaux. Et vous jouez en costume? Tout à fait, en costume. Et puis, alors, la troupe musicale est moins sur le costume historique. Et il y a une troupe historique sur le campement. Et donc, le répertoire, il est moins
moins un cheval sur l'histoire, un petit peu de médiéval, des Cantigas Santa Maria, mais il y a aussi bon, un petit peu de rondeau, donc ça c'était plutôt du 17-18e siècle. Mmh. Et la deuxième s'appelle comment? Et donc la deuxième c'est un duo. Duo. Duo Arp et Vielaroux, donc moi je joue la Vielaroux. D'accord. Et ma collègue, donc ça c'est le duo Ensemble. Ensemble qui s'écrit E-N-C-E-N-S-B-L-E, donc comme l'ensemble, le bâtonnet d'ensemble. Ah oui, d'accord. Parce que c'est une musique qui est plus méditative, et donc là il y a des compositions effectivement qu'on travaille à deux, et qu'on retravaille, qu'on remet sur l'établi régulièrement. On a sorti un petit CD là qu'on essaye de faire vivre. Ça, est-ce que ça rappelle la musique planante des Ashra Temple, Kraftwerk C'est de la musique méditative, ouais, une musique qui emmène en voyage. Ça prête à la rêverie. Hein. On allume un bâton d'encens, on écoute ça et puis voilà. Oui, ou sans bâtonnet d'encens. La musique. Non, par rapport à votre nom. Hein. Oui, mais la musique fait cet effet. D'accord. Vous savez, quand vous avez cette petite fumée qui s'envole comme ça, là, il faut visionner les notes de musique qui font comme ça. Donc, l'autre instrument que vous dites que vous utilisez. Donc, c'est la vielle à roue. La vielle à roue, hein, qui a aussi un. Qui a aussi une tonalité constante, le bourdon. Avec la rythmique en plus, donc travail sur tin, la manivelle. Tin, 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 oui. Donc là, on a la main droite qui travaille sur la manivelle pour faire la rythmique, et puis la main gauche sur le clavier pour faire la mélodie. Est-ce que vous avez trouvé de bons luthiers pour ce type d'instrument? Parce que oui. Ça se fait rare, il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans, en France. Il y a Philippe Mounier, donc moi j'ai la vielle, c'est une Philippe Mounier, donc qui est en Dordogne. D'accord. Il est à 2 heures de route d'ici maintenant. D'accord, il sélectionne donc ses bois. Voilà. Pour. Il fait ses recherches aussi parce que c'est vraiment des vielles qui sont vraiment à lui, avec le clavier décollé de la caisse pour pas qu'il y ait de bruit, des parasites, des caisses plus grosses, des tables d'harmonie plus larges pour avoir un son plus rond. Mm-hmm. Et c'est vrai que selon la construction, on peut favoriser les graves, les médiums ou les aigus. Tout à fait, ouais. L'idéal étant d'avoir quelque chose peut-être d'équilibré. Oui, voilà, la rondeur de son qui soit belle, parce qu'une vielle traditionnelle, c'est un peu crin-crin. Oui. C'est ce que les anciens aiment. Oui. C'est-à-dire que quand c'est orchestré, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs instruments, chaque instrument est dans son registre de son spectre sonore. Et donc, effectivement, quand on joue à plusieurs, il y a un instrument qui fait les basses. Et donc, on a moins besoin de rondeur sur l'instrument qui est médium ou aigu. Les vielles à roue, traditionnellement parlant, elles ne sont pas faites pour jouer en orchestre. Mais c'est vrai que moi, j'ai appris à jouer avec Philippe Mounier. Philippe Mounier, c'est le luthier, avec Pascal Lefebvre, qui lui a créé le Vielistic Orchestra, c'est-à-dire 7-8 vielles ensemble. D'accord. Et là, les vielles sont différentes. Des vielles ténors, des vielles. D'accord. Et là, c'est vrai que c'est. On peut faire des choses. Inattendu. Très abouti, puis c'est vrai, inattendu. D'accord. On peut jouer sur les nuances, on peut jouer sur. Parce que quand vous jouez en plein jeu, c'est-à-dire que vous avez le bourdon, les cigales et la chanterelle, voilà, vous ne pouvez pas jouer vraiment sur des nuances au niveau du son. Quoi. Mais si vous n'avez que la chanterelle, vous pouvez jouer vraiment sur. Faire des chacun va faire sa partie et peut nuancer beaucoup plus que quand on est obligé de. Oui, tout à fait. Bien, merci. Vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Pour ma défense, j'assume tout, je suis coupable. Les artistes sont toujours coupables, quelque part. Et on est heureux de faire des. Les artistes sont coupables d'être libres. Exactement. Merci, c'était donc au kiosque du Jardin Public, Tony Valero pour Proximi.tv.